Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite avec Jack Winters. Les gars, je suis de retour, mais pas en pleine forme. Vous vous rappelez le fois que je vous ai dit, je commençais à tomber malade, j'étais pas bien. Les jours à venir après, j'avais presque 42 fièvres là, je crois que j'ai eu même le Covid, je sais pas, j'ai pas parti faire les tests. Mais j'étais KO dans mon canapé, dans mon lit, je pouvais plus bouger, j'étais mort les frères. Là aussi je suis encore KO hein, mais j'ai réussi à reprendre un petit peu de force. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire une grande pause là, parce que là on est lancé. Sur la chaîne YouTube, il y a un bon rip, vous êtes à fond, je pouvais pas vous laisser sans rien faire. C'est pas que je me force, mais je me force un petit peu quand même. Mais j'ai envie de jouer, en fait j'ai envie de jouer, mais je me force à être là, parce que sinon je vais pas suivre la cadence, tu vois. C'est pour ça quand même que je fais cet effort les frères. Alors ne m'en voulez pas si aujourd'hui la vidéo n'est pas trop longue, ou je sais pas combien de temps ça va durer, ou si je suis pas en pleine forme. Voilà, ça peut arriver des moments comme ça, vous savez. Alors juste pour ça, je compte sur vous pour lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit partage, un petit commentaire comme d'habitude les frères. J'ai même pas beaucoup de souffle les gars, mon poumon il est détruit tellement frère, c'est une dinguerie. Ça fait longtemps que je suis pas tombé malade à ce point les frères. Donc si je parle comme un retardé ce soir, ne m'en voulez pas. Mais bon, on va faire comme si ce soir on déprime, c'est pas grave, on est malade mais on déprime en même temps. Mais ça va être l'occasion de s'occuper un petit peu de mon entreprise, de m'occuper un peu de moi-même, parce que en ce moment Jack il pense pas trop à lui. Tout tourne autour de Sophia en ce moment et j'ai lu beaucoup de vos commentaires et il y en a vous m'avez dit laisse tomber avec Sophia, c'est mort, etc. Il y en a vous dites continuez, etc. En fait c'est mitigé. Moi, mon perso il sait plus quoi penser. On a eu une grande discussion la dernière fois et elle nous a fait comprendre de ne pas espérer. Soit disant elle dit ça à tout le monde, mais elle dit ça aussi à Riri, mais pourtant elle va dormir dans le truc à Riri là-bas. Et quand on a écouté, on a entendu dire aussi qu'elle voyait difficilement l'avenir avec moi, alors que Riri c'est plus facile pour elle. Donc je sais pas les gars, de toute façon là c'est simple hein. on va pas aller vers elle je pense, on va jouer, mais on va pas la contacter. On va voir si c'est elle qui vient vers nous, mais déjà on va voir si elle m'a envoyé un message, parce qu'elle a dit qu'elle allait prendre ses distances. Déjà j'ai eu des appels manqués, elle m'a pas envoyé de message les gars, donc elle s'en bat les couilles. Ah, je suis mort. Ça, c'est qui, ça? Ça doit être Angel, ça. Salut, Jack. Lundi, c'est l'anniversaire de Wade. Et ça serait trop bien que tu sois là, vu que tu es un de ses meilleurs amis. C'est au tequila là, 22h. Voilà, à plus. Oh, je sais même pas si je serais là, les gars. Kevin, ils font que de ce pécho. C'est un truc de fou. Ah, ouais. Ah, ouais, Kevin, ils m'ont tout envoyé. Laisse tomber, mon ref. C'est mort. J'ai plus quoi penser, hein. Il y a Jet qui a essayé de m'appeler. Tu m'as appelé. Là, je parle comme un coincé du cul. Hein. Oh, il y a un autre Clara. Vas-y, je match. Hein. Deuxième Clara, vas-y. Eh, là, on en est. Hein. Vas-y. Hein. Tu veux que je te dise quoi, les gars? Les gars, désolé, attendez. Eh, je vous jure, aujourd'hui, je vais parler comme un bourré. Allô? Ouais. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça peut aller. Tu sais, on est là, doucement. J'ai vu que t'as essayé de me joindre. Alors, j'appelle un petit peu tout le monde, tu sais. Non, mais quand je me lève, j'appelle un petit peu toute la famille, tu vois, pour voir comment ça va, prendre des nouvelles. Sache que t'es le seul qui prend de mes nouvelles. Quand je regarde mon téléphone, il n'y a que toi qui prend de mes nouvelles et ça me touche. Aujourd'hui, c'est pas un bon jour pour moi. Je suis malade, je suis plus bac à terre, mais bon, je garde la tête sur les épaules, hein, j'ai envie de te dire. Mais ça me fait plaisir de voir Jet a essayé de vous joindre. Ça me fait plaisir, merci à toi. Wade déjà? Non, personne. Il m'a même pas envoyé de message aussi. T'es où là? T'es sur Caillou? Je suis à la plage de Caillou là. Ah, bah ils sont tous en ville. Moi je suis sur Caillou, bah au cimetière, hein, tu connais. Non, mais c'est trop. Mais pourquoi tu fais le faux cul comme ça? Je suis obligé de garder. Tu sais que. Ah, tu fais le beau pour le bon image? Ouais, enfin bref. Ouais, c'est pour sa hélice quoi. Pas... Ouais, puis non, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs personnes, je sais pas, tu vois. Ah, mais de toute façon, tu sais ce que tu fais. Il passe trop vite à autre chose et je comprends pas trop, tu vois. Ah, ouais, c'est vrai, c'est normal. Mais ouais. Ouais, c'est vrai, en plus, ta hélice, c'était quand même quelque chose. Ouais, je le fais, mais ouais. Bah pour moi oui, il comptait beaucoup, tu vois. Après ce qu'il a fait c'est impardonnable. Ouais mais c'est vrai, ouais. Non mais ça fait plaisir. Bah de toute façon si tu veux. Tu veux que je te ramène en ville? Ouais bah écoute là je suis à la plage là où il y a les... Vas-y j'arrive. Où il y a les bungalows. Vas-y merci, je t'attends. J'arrive alors. Vas-y. Je vais m'occuper un peu de mon entreprise aujourd'hui. Ah je vais changer de démarche. Je vais marcher comme ça, regarde. Ouais ça va. Salut. Ou quoi? Salut, ça va et toi? Ouais tranquille hein, comme je te disais hein. Un peu malade, un peu la tête dans le cul, mais bon on fait avec hein. C'est une étape dans la vie hein. C'est bien passé la nuit avec Riri. Je pense que c'est pour ça que je suis malade. Ah, il était pas trop content au réveillon. Dans la nuit, je l'ai... Voilà. Quoi, tu l'as quoi? Je l'ai frotté un peu. Quoi, voilà. Non, je rigole, j'ai rien fait. Okay. Non, j'ai rien fait. Ben non, j'ai dormi, ouais, à côté de lui, mais voilà. À un moment donné, il m'a attrapé, frère. Il croyait que c'était Sophia. J'ai dit, oh, j'ai fait Roberto. Il m'a lâché direct. C'était en France en plus, là, hier. Ah ouais? Plus ce soir, au Barati, il y a élection Mister et Mrs. Los Santos. Il y a de la meuf, hein, si tu veux. Changer d'idée un peu et tout. Ouais, j'irai faire un petit tour, mais bon, je m'intéresse plus maintenant. Mmh. Je vais me concentrer parce qu'en ce moment, je tournais trop autour de Sophia. Tout tournait trop autour d'elle et j'ai pas pris soin de moi, là. Je vais m'occuper un peu de moi, de mon entreprise.
bêtises. L'autre fois, elle m'a dit qu'elle allait prendre ses distances. Je vois qu'elle m'a pas envoyé de message. Je vais pas leur envoyer de message aussi. Elle voudra me parler, elle viendra. Je vais pas forcer, je lui ai déjà dit. J'étais là pour elle dès le début. J'ai tendu ma main maintenant. Elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Vaut mieux laisser le temps agir et puis. Ouais, j'aime pas forcer, j'aime pas. Après, sinon, si tu veux te divertir un peu, on a rencontré Roberta. Je suis pas dans ça, c'est toi qui danse ça. Moi, je suis pas dans ça, moi. Ah non, moi, je suis pas dedans, je suis pas rentré dedans. Faut que je te raconte un truc. C'est dommage que j'ai pas pu t'avoir à ce moment-là. C'est dommage que j'ai pas pu avoir Wayne non plus à ce moment-là. Concernant Ignacio. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai les balas. Voilà. Si tout ce bras. Ça va. Tout ce polaire, ça va. Par contre, la dernière fois, elle m'attrape plus comme ça dans le lit. Hein. T'es pas Sophia à ce moment-là. T'as voulu me frotter là dans la nuit. Apparemment, t'es venu dans mon lit. T'es fou, toi. Bah ouais, et t'as voulu me frotter dans la nuit. Tu veux me pépon et là, tu viens dans mon lit. Bah ouais, mais pour toi, tu m'as frotté dans la nuit. T'es fou, toi. Arrête. Mais t'es malade, toi. C'est une dinguerie, ça. Il est fou. Moi, je sais qui lui encore. Samaël, tu connais pas Samaël? Oui, il m'a pêché. C'est bien qu'il soit là parce que j'allais parler d'Ignacio justement. Ignacio, il y a les balas, il vient de me voir, il me dit ouais, on a une discussion avec un flic et il nous a dit ouais, ils ont chopé Ignacio. Il est ressorti sans rien. S'il est ressorti sans rien, c'est parce qu'il a parlé sur Caillou. Et après, le flic, il a pas voulu leur dire ce qu'il avait dit exactement. Juste ça. À partir de là, je suis désolé, mais là, on pouvait vraiment pas le laisser. On l'a buté. On l'a attrapé. Non, vous m'avez pas attendu. Bah, du coup, il est mort. Bah, je vais aller lui rendre hommage. Il est enterré où? Je sais pas. Mais nous, on l'a laissé là-bas. On a tiré un peu partout pour que les flics y viennent, tu vois. Et puis, on l'a laissé là-bas. Hein. Je pense qu'ils l'ont ramené à la morgue et je sais pas. C'était un bon gars, mais il était con, tu vois. Il pouvait pas aller loin. Il était pas méchant, mais trop con. Ouais. Malheureusement, dans ce business, faut pas être con. Hein. Donne-moi une voiture, je vais aller faire un petit. Pas ta voiture, ça? Non. C'est avec qui la voiture là? Je me rappelle plus où faut récupérer le 4x4 en fait. Vas-y, viens, je t'emmène. Je récupère le 4x4 et je vais aller faire un petit tour dans mon entreprise avant, tu vois. En fait, quand tu sors là, tu sors sur la droite. Donc je retiens. Après, tu suis le chemin et tu passes le portail et puis tu tombes en face. Là, je vais rouler un peu, je vais me décompresser et ça commence maintenant. Le mist, c'est pas quoi là? Je sais pas ça, quelle heure? 22h30, je crois, un truc comme ça. Je viendrai. Je suis sûr que cet enculé de Wade, il est capable de participer. Je vais me foutre de sa gueule. Après, il y a moyen. Hein. Ouais, c'est ici, non? Vas-y, mon ref. Ouais, derrière. On se tient au courant. Putain, ils ont tué Ignacio, les gars. Après, il a cherché Frey Poucave, mais il est trop con. Allez, on va l'appeler, Wade. Wesh, ça va ou quoi, mon frère? Allo, ça va ou quoi? Ça va. On est là, on est là. Comment je parle? T'as dit quoi? Bah là, je me réveille, tu connais. Et... la tête dans le cul, là, je sors de caillou, là. Oh, t'es shooté ou quoi, t'as bu? Ouais, je suis shooté, là, aujourd'hui. Je me suis injecté des doses, là, dans le sang, là, tu peux pas savoir à quel point. Mais wesh, t'es un baiser, pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que, j'ai. Ça y est, je tourne la page, mec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à la discussion que t'as eu dans la avec Sophia? Bah, on peut dire ça comme ça, quoi. Pourquoi il s'est passé quoi? Ouais, je t'expliquerai, t'es où, là? Là, je suis au Barati. Il y a un petit événement Miss et Mister Santos, si tu veux, viens. Je parie que tu participes. Je participe. Vraiment une petite salope, toi. Vraiment les salopes qui font ça. T'as pas honte? Wesh. Vas-y, ressaisis-toi, là. Tu me dis pas que tu vas faire la salope à défiler devant tout le monde, là. Wesh. Remets-toi en question deux secondes, là. Réfléchis un coup, là. Ouais. Ok, oui. Carrément, je m'assois, carrément. Ah non, vas-y, bah, je vais venir regarder ça. Je vais voter pour toi. Mais bon. Mais t'es un objet, toi, maintenant? T'es un objet? Non, moi, je suis pas un objet. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'avais rien à foutre ce soir. Du coup, je me suis dit, vas-y. C'est pas con. Ça commence à quelle heure? Là, dans pas très longtemps, là. Ok, bah, j'allais m'occuper de mon entreprise, mais je vais venir d'abord, là. Ouais, y a pas mal de gens. Tu peux venir, mon ref. Hein. Ouais, vas-y. Je suis pas trop au top de ma forme, là. Je suis à 30% aujourd'hui, mais c'est pas grave. Là, je vais arriver au Barati, là. Vas-y. Vas-y, à tout. Vas-y. Bon, voilà, les gars. Je vais arrêter de faire mon toutou tout le temps, là. Par contre, si elle vient vers moi, elle prend des nouvelles, ok? Sinon, je m'en bats les couilles maintenant. Moi, j'ai plus rien à prouver. En plus, je suis malade, là. Mon cerveau, il est en deux de tension. Là, je suis aigri. Faut pas me casser les couilles, hein. Et je suis désolé, les gars, si je parle comme ça. Attends, peut-être petit à petit, je vais me réveiller, les frères. Hein. Vous inquiétez pas. Laissez-moi un peu le temps. Kevin, il est pas là ce soir, je crois. Ah, mon petit Kevin, il va me manquer. Il va me manquer quand même. Il est pas là. Je sens que ça va être catastrophe. Eh bon. Moi, comment je marche, c'est trop. Bonjour. Ça va, Jake? Bonjour. Ça va et toi, mon frère? Ça va, tranquille. Les gars, j'ai le Covid, faites pas attention. Oh merde, fallait pas me checker là. Ah merde. Ouais, mais tranquille. Ça va ou quoi? Vous participez ou pas? Ouais, on sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Ça me prend de mode. C'est pour ça que tout le monde est bien habillé et tout. Ah ouais, vous êtes pas des petites salopes, vous allez pas vous défiler quand même. Ah bah non, tranquille. Ah ouais, nous on est là juste pour rigoler. Y'a moyen qu'on gagne le défilé comme ça, yo. Mais tu vas pas faire ta salope à défiler. Ah non, yo. T'es un gangster, tu vas défiler. Tu te ma gueule. Ah ouais. C'est vrai, tu mérites plus que ça quand même. Moi ouais, j'avoue, elle t'es con. Des défilés, faut laisser à ces genre de mecs là, regarde. Faut laisser à ce genre de mecs des défilés, regarde. Non, on rigole, les gars, on rigole. Oui, taxi pour vous servir, dites-moi. Vous
Oui, bonsoir, j'aurais besoin d'un petit taxi s'il vous plaît. Envoyez-moi la pause, j'arrive. Wesh, t'as dit quoi Wade? Et Angel, tiens, ça fait longtemps. Ah, je viens d'apprendre, tu es une salope. Eh ouais, non mais je rigole. Je peux pas m'en vouloir, je suis malade aujourd'hui. Là, tout ce que je dis, tu dois me pardonner. Il va dire que des dingueries. Non, non, vraiment, là, à chaque fois que je parle, j'ai envie de vomir. Écoute, je vais récupérer quelqu'un là. C'est pas Kevin ce soir, je crois. Non, Kevin, il est pas là. Wesh, il est. Oh, Roxoud, va te faire enculer, jamais j'y vais. Oh putain. Bon, alors, ça dit quoi? Viens, on va parler un peu. On a pas eu l'occasion de parler parce que l'autre fois, après, il s'est passé des choses, tu sais. Quand je vous ai dit, je suis parti. C'est quoi? Oh là, t'es pas prêt. Quand je vous ai dit, je suis parti me coucher là. Mais il s'est passé des trucs, Maggie, il s'est passé des trucs. Bah, je suis parti faire la paix avec Telia déjà. On a entendu la hache de guerre. Il y a Jet qui est venu me parler. Il m'a donné un peu son avis sur Sophia. Après, à un moment donné, je me suis caché dans le coffre parce que Sophia allait rejoindre Jet. Jet m'a laissé me cacher dans la voiture. L'évite était teintée et j'ai écouté la conversation. Et Sophia, elle a parlé, elle a dit pour l'instant, elle sait pas. Voilà quoi, comme je t'avais dit, son cœur est nuageux. Mais après, Jet lui a posé une question. Est-ce que tu te vois un avenir avec Riri? Elle a dit oui. Et avec Jack, il a dit difficilement. Aïe. Mais c'est pas, elle a pas dit elle peut pas, mais elle a dit plus difficilement quoi. Un truc comme ça, je me rappelle même plus. Bon, j'étais malade, là, je sais même plus. Je me réveille, je vois que j'ai même pas un message d'elle. Qu'elle a dit, elle allait prendre ses distances. Bah, je lui ai pas envoyé de message, je cours plus derrière elle. Si elle veut vraiment mes nouvelles, m'envoie elle. Si elle m'envoie pas de message, j'aurais compris. Et je pense que je vais même quitter Caillou. Enfin, pas quitter, mais plus habiter là-bas quoi. Je vais. Il faut qu'on trouve. Est-ce que t'as des contacts pour un QG? Pour regarder sur le dark web, tout ça, ou des sites un peu voilà quoi. Mais j'en ai marre d'investir après, j'ai rien. Regarde l'entreprise cinéma, bande de chiens, vrai. J'ai rien eu en retour. T'es vraiment une mauvaise langue. Mais toi, t'as une mauvaise langue. T'as même pas tourné de film depuis. Il est compliqué. En cours. Les studios, là, enfin les petits carrés, là, qui a été fait, là. Y a pas justement. De... Wesh, merci pour les 50 000. Tiens, ça a commencé. C'est pas trop tôt. T'as été rentable. Oui, ça a été rattrapé. C'est l'argent d'Alvaro, tu me racontes. Et bah, je te promets, je te montre ma regarde, tu auras mon téléphone. Attends, regarde, je vais dans le service. Oublie pas, j'ai investi 300 000. Pour l'instant, je suis pas rentable. Pour l'instant, t'es pas rentable, mais c'est en train d'arriver petit à petit, c'est normal. Ça fait déjà 3 mois. Il reste encore 100 000 dollars dans le compte entreprise. On arrive. Elle participe aussi, Angel? Ouais, je crois. Non. Bah oui, il m'a inscrit. Viens, je te parle deux minutes. Là. Qui, moi ou Angel? Non, toi-même. Bah toi. Attends, on arrive, Angel. Vas-y, moi. Et je vais t'insulter, putain, c'est trop. Donc là, tu vas exposer ta meuf devant tous ces gars-là, remplis de testo, là. Non, mais arrête, toi, mais j'ai plus envie de faire le défilé de ta photo. Ça veut dire que tous les mecs ils vont bander sur ta femme. Mais oui, enculé, c'est pas un truc de cul. Tu crois quoi? Tu crois que les mecs qui sont là, ils sont pourquoi? Ils sont là pourquoi? Pourquoi tu vas le faire toi? Non, moi je m'en fous moi, mais. Non, après voilà, si voilà, c'est habillé, c'est bon. Si elle commence non, à défiler en maillot. Non, non, c'est habillé. Non, c'est habillé, c'est habillé. Non, on a fait aucune. C'est la tenue quoi, ok. Non, c'est habillé, c'est très habillé même. Ok, non, mais c'est bon, j'ai hâte de voir ça. Bonsoir. Je t'inscris, Jake. Mais je vais pas faire la salope à faire le défilé quand même. Ah, d'accord. Okay. Bah pourtant, vous avez la Vous pouvez tenter votre chance, hein. Non, mais quand même pas, jeune homme, que je vous permets pas. C'est quoi? Vous avez quel âge, dis donc? Vous avez la coupe à Mathieu Delormeau, c'est pas possible, monsieur. Bah attends, mais c'est toi, tu ressembles à Mathieu là. Tu vas défiler là? Non, moi je défile pas, c'est pour les chouins. Voilà, ça, moi, on est d'accord, voilà. Là, j'ai le Covid, là, j'ai un peu la tête dans le cul, tu vois. Mon cerveau il le ralentit vraiment, mais bon. Non, mais tu sais, jeune homme, bon, on a à peu près le même âge. Ouais. C'est les femmes qui rend fou comme ça, qui rend malade. Ça, c'est vrai. Vous avez une femme? Vous avez Ma femme, un c'est crush. Une chouin, elle tourne partout. C'est vrai? Ah merde. Comment Sophia, moi je suis pas dans le taxi. Et ça marche bien? Ça marche bien, taxi. Je sais pas, ça fait 3 mois que je suis pas parti vérifier. Putain. Là, je vais profiter. Là, une fois le défilé terminé, je vais aller voir le compte. Là, mais apparemment, ça marche. Ouais, je sais même pas qui est les employés. Le mec, à tout moment, il a 300 000. Ouais, je pense, hein. Attends, je vais vérifier. 250 000. Oh bah putain. Mais je suis bien, putain. Regardez, c'est elle là-bas, en noir. Avec les deux boules de Riri sur la tête là. Ouais, c'est elle du coup. Et tu veux qu'on lui casse la gueule parce que c'est non, une pute? Non, 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 j'ai pas dit que c'était une pute, j'ai jamais dit ça. Arrête d'inventer. Bah, après, tu sais, il peut y faire hein, ça. Hein. Je vais la kidnapper, je vais te régler ton problème. C'est vrai? Ah oui. Tu peux la kidnapper, t'as des spécialistes. Ouais. Vas-y, bah, là, je prends mon numéro. C'est quoi encore ton nom? Moi, c'est Jules. Ouais, mais Jules, je le verrais bien quand même postuler là. Tiens. Voilà, Jules. Bon, c'est Jack. Eh, hey, tu me préviens pour l'autre grenier, si on peut faire ça quand tu veux. Vas-y. La vérité, je reste dans mon coin. Wesh, ça va, vous êtes tombé, ça va? Y'a l'intérieur, yo. Ça fait mal? Un peu, ouais. Wesh, calme-toi. Je suis un peu désorienté. Bonsoir, excusez-moi. Tu veux un médecin? Parce qu'il faut. Si on peut juste bouger le. Enfin, si quelqu'un sait qui ça appartient. T'étais pas médecin? C'est qui? Vous êtes qui? Moi, c'est Jake. Toi, t'es qui? Eva? Bah, c'est moi. Ah, oh, bah, je t'ai pas reconnu. Bah, si toi, t'es Eva, mais elle, c'est qui? Vous êtes qui, vous? Bah, moi, je suis Mila. Mila Gros? Mila? Mila Gros, c'est toi? Non, excusez-moi. Pardonnez-moi, monsieur. Mila, bien, gros! Dites-moi, quelqu'un, un bandage, s'il vous plaît? Oui, je. Tenez. Ah non, j'ai pas. Moi,
j'en ai pas non plus, excuse-moi. Bah vas-y, bah bon courage à toi. Et Emilia, bah, tiens, je te donne un petit billet parce que tu me fais... Vous êtes gentil. Je vois que t'as des habits un peu, voilà, quoi. T'as des problèmes, tu veux en parler? Non, c'est bon. C'est sûr, voilà, achète-toi des vêtements. Et c'est combien, hein, vêtements, les... Bien, les vêtements? Ah merde, attends, je te donne encore 5. Tu sais, je suis passé par ici. Je dis pas que t'es mal habillé, attention. Mais tu vois, le haut, il est un peu trop petit pour toi maintenant. Oui, il est un peu serré. Pour grandir dans la vie maintenant, voilà. Ouais. Donc, achète et si... Oui, voilà, si t'as des problèmes, tu m'appelles, ok? Bah, bonsoir. Quand je peux vous appeler... Bah, prends mon numéro, pas de soucis. Okay. Moi, c'est Jake. Enchanté, Jake. Enchanté. Rassure-moi, tu vas pas défiler, toi? Non, quand même. Ouf, putain. Heureusement. On va voir la petite way de défiler. Allez, viens. Ah ouais, là, il défile, là, frère. C'est quoi, ça? Oh, je vais voilà, péter les plombs. Moi, Sophia, là-bas. Oh, viens pas me voir. Viens pas me voir, connasse. Viens pas me voir. Même pas, viens pas me voir. Pardon? Oh. Parfait. Oh, oh. Bien, c'est bon. Wesh, wow, mais c'est Télia là-bas, là. Elle a changé de couleur. Elle regarde. Je like sa photo, elle regarde son téléphone. Attends, je vais la spammer. T'es ma. Regarde, hop, je relike. Elle va m'insulter. Putain, Kevin, mon Kevin, il est pas là. Hey, Kevin, tu mens trop, frère. Là, on aurait foutu la merde, là, si t'étais là, frère. Allô. Ouais, c'est moi qui ai commandé la bouteille d'eau. Comment ça? Mais j'ai commandé une bouteille d'eau. Wesh, c'est le taxi ici que vous racontez. J'ai appelé un taxi pour qu'il m'amène une bouteille d'eau. Ah. C'est Uber Eats ou quoi? Non, c'est pas ça, nous on fait pas ça. Arrête. Et je paye la course. Arrête, je paye la bouteille, je paye la course. Eh ouais, bah oui, je paye. Ok, j'arrive. Vas-y, je suis au bar. T'as habillé comment? J'imagine que t'as une chemise avec des fleurs. Vas-y, tu m'espionnes ou quoi? Je sais pas, j'ai. Ah vas-y. En fait, attends, c'est toi en face de moi. C'est toi ça, non? Arrête. Mais le monde est petit, dis donc. C'est ouf ça. Bouteille d'eau. Vas-y. La course, ça fait 100$ par contre. Je te ramène une bouteille d'eau. Là, faut payer la course 100$. Eh ben vas-y, je paye, fais la facture. T'as pas en espèce là? J'ai la flemme de faire la facture. Et si, j'ai de l'espèce. Vas-y, on fait 100. Tu veux combien de bouteilles? Un seul? Mais moi j'en ai 10 parce que là ils me servent de l'eau de mer au Barati, c'est scandaleux. Ouais, vas-y, tranquille, je vais chercher ça dans le coffre. Non, c'est une bonne idée que vous venez me donner là. Uber Eats. Eh ben je prends des parts si ça te dérange pas. Non, mais j'avais déjà l'idée, tranquille. Je me la balle en verre là un petit peu. Vas-y, je l'ai posé par terre. Poil de carotte, essaye pas de voler les billets. Non, c'est pas ça, c'est juste ma copine vient de me dire qu'apparemment tu la dragues. Quelle copine? Mila, je lui ai donné de l'argent apparemment. Mais frérot, tu crois que je vais draguer un SDF moi? T'as pété les plombs. Ta copine, je lui ai donné. Comment tu parles de ma meuf là? Je lui ai donné de l'argent pour s'acheter une tenue, la pauvre. C'est une SDF, tu me racontes? Moi, elle me sort que tu l'as draguée. Mais je vais pas draguer un chiffon. Par contre, pour le mieux d'elle quand même. Bah écoute, moi j'ai eu pitié d'elle, j'ai vu. Elle était mal habillée, elle avait une petite tenue trop serrée pour elle. Je lui ai donné 100$, j'ai dit va t'acheter des vêtements. Parce que je suis passé par là moi aussi. C'est elle qui drague tout le monde. Bah c'est elle en plus qui drague. Je suis la lemeuse. Mais moi jamais je touche cette femme. Je tombe malade. Je vais pas finir comme toi, chef. Je veux juste désamorcer le truc avant que ça part en couille. Pardon. Mila, elle est comme ça en fait. Alors je lui ai donné 100$ pour acheter des vêtements, elle est comme ça. Moi, elle m'a sorti que tu l'as dragué. Ah ouais, elle s'est pris vraiment pour le centre de la terre, elle. Et t'as 10 bouteilles d'eau pour moi? Ouais, tiens. Vas-y, merci. Un bon mon gars. Tiens. Vas-y, je te dois combien pour les bouteilles d'eau? Vu que t'as quand même charbonné pour les avoir. Tu m'as déjà payé, non? Ben, je t'ai payé la course. Ah, mais tranquille, c'est bon. Ben, j'ai que 4, voilà. Vas-y, ça ira. Ça ira, c'est bon. Ben, je vais me rincer l'œil unique. Voilà, j'ai galéré pour avoir ces bouteilles, donc vas-y. Hein. Ben, ouais, je vois. Ben, oui, c'est pour ça que je voulais te payer quand même. Vas-y. Vas-y, à tout bon. Dit, ouais, pareil. Ah, oui, je dois appeler Eden. Ce pays, il est là. Oh, il est là. Ouais, chez Eden. Ça va ou quoi? C'est Jake. Et toi? Ouais, ça va, putain. Depuis le temps qu'on devait se voir, on n'a pas réussi, frère. Désolé, mec. Oh, t'inquiète, je fais mes affaires. Aujourd'hui, t'es disponible ou pas? Là, pour une fois, j'ai du temps. J'ai envie de m'occuper un peu de mon entreprise, remettre de l'ordre et tout. Si tu peux me mettre à la page un peu. Ouais, tu veux qu'on se voit au local directement? Ouais, là, il y a un événement, là, tu sais, il y a un défilé, là. Ouais, bah, j'y suis. Une fois que c'est fini, on y va là-bas. Vas-y, si tu veux, pas de soucis. On fait un petit point et même si t'as besoin de moi pour faire des trucs, aller faire des contrats, je suis là, t'inquiète. Oh, t'inquiète pas, ça, j'ai vu avec Angel le contrat avec le Benny, c'est bon. T'es un boss, c'est, merci, mec. C'est refait. Hein. Vas-y, là, je t'oublie pas, là, cette fois-ci. À tout de suite. À tout à l'heure, Jake. À tout. Ok, les gars, au moins, on va s'occuper un peu de notre entreprise. Hey, pourquoi tu dis à des gens que je te drague? J'ai jamais dit ça. T'as dit à un mec, la poêle de carotte, là, que je te draguais? J'ai pas du tout dit. Mais puis il est venu me voir, il dit, ouais, Mila m'a dit que tu le draguais. Alors que moi, je te donne de l'argent pour t'aider, et c'est ça que tu fais? Je sais même pas de qui tu parles. Vraiment? Ou tu... Poêle de carotte, pour moi, c'est la meuf qui est assise dans le jeu. Non, il y a un mec, cheveux orange. Vas-y, dis-moi, pourquoi t'as dit ça? Mais j'ai rien dit. Parce que moi, je te drague pas, moi, ok? Je dois me reconstruire, tu vois. Et t'es trop petite pour moi. Surtout pour... Je m'en fous. Et t'es bizarre, toi. Tu caches quelque chose derrière ton sourire. Après, je peux te présenter quelqu'un, il s'appelle Kevin. C'est mon meilleur pote. Il est comment? Il est beau? Il est... Moi, je suis quoi, moi? Ça va, ouais, tu passes.
C'est vrai? Tu passes les sélections? Non, je passe pas, moi. Moi, je m'expose pas comme ça devant les gens. Non, bah écoute, je te présenterai quand même mon ami. Il s'appelle Kevin, ok? Parce que tout le temps, il est gentil, il est là pour moi. Et je sais que lui aussi, il est en recherche de l'amour. Moi, je suis pas à la recherche, j'ai le cœur brisé, là. Sur ce, ouais, salut. Hein. Au pire, appelle-moi dès que t'auras ton ami Kevin. Vas-y, carré, meuf. Et arrête de raconter des rumeurs, hein, je te dis. Et c'est pas moi, hein. Oui, c'est ça. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Ça va bien, et toi? Tranquillou. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Ah, il vend des motos, mais là, il est avec moi ce soir. Si, mais c'est pas lui. C'est quoi la vie, monsieur? Voilà, elle est folle, elle. Si, c'est une connasse, elle, c'est une folle. Hein. Salope, va. Ça se voit, elle veut, elle. Non, je rigole. Bah, vas-y. Ouais, mais j'ai pas le permis pour ça, mais regarde-moi ça, frère. Celle-là, c'est une bombe, hein. C'est une bombe, hein. C'est une bombe. Ah, si. Ah, moi, je suis chauffeur taxi, du coup. Moi, je suis patron taxi. Toi, t'es quoi? Moi, je suis chauffeur taxi. Espèce de petit enculé, garde à vous, je suis ton patron. Paldoun. Putain, je connais vraiment pas mes employés, c'est grave. Si, moi, c'est Olivier. Aujourd'hui, j'ai fait une réunion avec tous mes employés, là, de toute façon. J'attends. Ah, si, allez, vraiment? Donc, j'apprends à connaître mes employés, ça va plus, là, ça va plus du tout. Oui, allô? Allô, Jake? Oui, t'es qui, toi? Comment ça, je suis qui, fils d'Eb? C'est Antonio. Antonio. Stebano. La Pocabo, c'est toi? Non, juste Antonio. Ouais, ça fait bizarre de t'entendre. Pourquoi? Je t'ai manqué? Une deuxième personne qui a décidé de prendre mes nouvelles. Eh ben dis donc, je suis pas au bout de mes surprises alors. Pourquoi? Non, parce que personne prend de mes nouvelles à part Jet, tu connais, hein. Mais bon, après je m'en bats les couilles, hein. Je me suis fait seul et j'y réussirai seul. Mais non, t'es pas seul, t'es avec nous. Sur ce, je raccroche sur cette belle parole. Papa, t'as vu ça? Si, ça c'est balasse, ça. Franchement. Vous êtes folle, monsieur. Attends, il me rappelle. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît? Vas-y, j'ai enlevé là. Non, faut pas de ma gueule. Et moi, je te propose. J'ai enlevé, putain, t'es con quoi? Ferme ta gueule, je vais te faire bosser là. Tu veux te faire 200 000$? Et je bosse plus avec toi, moi. Tu vas me donner, tu vas m'envoyer dans la gueule du loup, je vais crever. Mais non, 200 000$, tu prends pas, tu croques pas. Ça dépend, c'est quoi? Allez, tu me rappelles plus tard. Dis-moi, c'est quoi, putain? T'es reculé, tu me rappelles plus tard. Eh, désolé, j'ai raté ton défilé. Non, t'inquiète, mais ça va, ce qui paraît, ça, ils avaient rien à dire, c'est incroyable. Attends, t'as défilé comme ça, là? À la fin, j'ai fini comme ça. Vas-y, va travailler, là, depuis que t'as eu des appels, tu fais rien. Allez, hop, mais... va, allez, va. Non, sur le service, ce soir. Jedial, tu défiles quand, toi? Ça y est. Ok, par respect, je suis pas venu regarder. Par respect pour Wade. Parce que je peux pas regarder la femme qui m'appartient pas. Je vois. J'ai changé maintenant, Angel, tu sais. Je vois ça, t'es un frère. Bah, je vois ça. J'ai arrêté de rêver de toi, j'ai arrêté de te regarder, j'ai tout arrêté maintenant. Eh ben, c'est une très bonne chose. Ça va, tant que tu faisais que ça, ça va. Bah, j'ai envie de te dire que j'arrive même plus à me regarder dans un miroir. Quoi, tu veux que je vais regarder les autres maintenant? Y'a Antonio qui m'a appelé là. T'as le fils de pute là. Il m'a dit, tu veux te faire 200 000? Elle dit, c'est que ça dépend, c'est quoi? Elle m'a dit, il me rappelle dans plus tard. Moi, j'ai dit, mais je veux savoir. Et après, il a raccroché. Si tu parles de mon appel, je te coupe les couilles. Mais lui, il est fou, nique ta mère, la pute. Il est fou, lui. Nique ta mère, la pute. Tu fais peur à un fils de pute. Je te casse. Comment ça? Ah, m'a énervé. M'a énervé là. Je suis aigri. Viens là, mon tonton. Respecte les anciens. Tu veux régner, être libre, riche, avoir du pouvoir? Envoie-moi une position. Je te rejoins. Je m'envoie ici, t'es mort. Il y a Antonio là, il veut parler. Il m'a dit, parle de notre appel et je te coupe les couilles et je fais un collier. Et moi, je dis, nique ta mère, tu me fais pas peur, je suis de Caillou maintenant, nanana. Je l'ai calmé, il est fou lui. Il a cru que j'étais encore petit. Après, il m'a dit, est-ce que tu veux devenir riche? Tu veux le pouvoir? Là, j'ai une mission pour toi, nanana. Je dis, vas-y, t'es où? On va parler. Et il m'a dit, envoie la pause. Ben, je lui dis, je suis ici. Vas-y, bon, on revient, ok, Angel. Vraiment, je sais pas ce qu'il veut, cet enculé. Moi, je le fais par confiance, hein. Par ici. Ici. Tu vas prendre me respecter un petit alors peu. Alors là, mon gars. Ah, t'es mort. Ah, pardon. Aïe. Stop. Bon. Écoute, moi, je te propose un truc. 200 000$. Est-ce oui, que mais t'es chaud ou pas? Ça dépend de quoi, putain. Tout est fou, tu crois quoi? Je veux que vous éliminiez Alvaro. Et comme ça, moi, je prends la tête de Caillou. Arrête de rigoler, putain. Ah, vous cassez les couilles, putain. Attends, non mais vous êtes t'es sérieux là, Antonio? Tu es en train de nous foutre de notre gueule là. Tu te fous de notre gueule? Ah, je suis mort. Allez, c'est encore un test de merde là pour voir si on est fidèle à Caillou. Va te faire enculer. Toi, un pro Caillou, toi, tu vas faire ça? Va te faire foutre. 500 000. Mais t'es malade ou quoi? Écoute. Je me suis pas cassé la tête à le libérer, à mettre ma vie en danger pour le buter. Mais t'es malade ou quoi? Écoute, mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu l'élimines, après c'est moi qui prends la tête de Caillou. Et après, tu auras tout ce que tu veux, tout le pouvoir, l'argent. Mais toi, t'es malade. Pourquoi tu vas pas voir les autres? Toi, t'as craqué, mec. T'as craqué. T'es complètement devenu fou. Donc, tu vas me dire que t'as attendu qu'à ce qu'on le sorte de prison pour vouloir devenir la tête de Caillou. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Parce qu'à là, fallait le laisser en tôle alors. Pourquoi ne pas avoir pris le pouvoir quand on était encore en tôle? Parce que même en tôle, yeah, il avait le pouvoir. Ah, et même s'il est mort, c'est pas lui qui gère Caillou, c'est Jet. C'est Jet le boss. Mais ça a rien à voir. Si, mais c'est lui. Jet, il prend toutes les décisions. Ça a rien à voir.
oui. Donc faut tuer déjà tout si tu veux décisions. Me dire. Non, écoute-moi, il prend les décisions pour les affaires. Ensuite, il y a l'autre partie de Caillou. C'est l'autre partie que je te parle. En gros, si je me trompe pas, il y a deux chefs à Caillou. Il y a le chef politicien qui est Alvaro, donc lui il est beaucoup plus dans la politique. Il y a le chef business et du coup Jet. Oh, je vais répéter ça à Jet direct. Écoute, là, je suis choqué, je m'attendais pas. Moi je me disais, toi t'es un pro Alvaro, jamais tu vas me demander un truc comme ça. Donc, ok, je suis. 500 000 dollars. Malade, toi vraiment t'as pété les plombs. Après, c'est qui va être dans la merde? C'est nous. Mais qui va savoir que c'est toi? Parce que c'est un piège, surtout pour ça. Bah oui, c'est un piège, je sais que c'est un piège là. Il veut nous tester. Prouve-nous. Bah comment tu veux, prouve-nous que t'es sincère. Moi, je sais pas. On va prendre le temps de t'appeler. De venir, etc. Tu vois. Ouais, non, mais t'as vu qu'on était efficace, on a réussi l'évasion, je comprends que tu reviens vers moi. Imagine, Jake, avec du pouvoir, de l'argent. J'ai déjà un peu de pouvoir, tu sais, j'ai pas besoin de plus. Hein. Tu sais, trop de pouvoir, ben. Voilà quoi. On a toujours. Mais tranquille, je prends ton information. Et je laisse dans un coin de ma tête. Je te laisse 24 heures. Mais c'est quand même Alvaro. Voilà, 500 000, voilà, faut augmenter le prix. Hein. 500 000, je pense que c'est un bon billet. Vas-y, on s'y en prend. Allez. Jamais il est fou. Mais oui, il est fou. Mais jamais. Tu penses quand même. Non, jamais je vais faire ça de toute façon. Mais il faut lui mettre à l'envers. Lui, il est bizarre. Lui. Il faudra que j'en parle ça à Jet. Je m'attendais à un truc comme ça, mais je n'étais pas prêt quand même. On va voir avec Jet dans un instant. Vas-y, on laisse l'événement se finir. Ouais, cet événement de merde. Là, ça finit plus ou quoi? Je vais appeler Jack. Je vais commencer à lui dire. Faut juste que pas Antonio il nous voit. Donc, on va lui parler. Vas-y, appelle-le. On lui donne un rendez-vous quelque part. Ouais, mon ref. Mec, t'es tout seul. Allô là? Je peux te parler là? Vas-y, je m'écarte. Avec Wade, là, on vient d'avoir une information, mais vraiment, t'es pas prêt. Va falloir que. Ouais. Et tu vas péter les plombs. Vous êtes où là? Là, on est sous le ponton, mais on va pas se voir ici parce que c'est trop risqué. Parce que la personne qui veut nous parler, il va avoir des doutes sinon. Donc, on laisse ça finir tranquillement, l'événement là. Vas-y. Et après, quand t'es pris, je t'envoie une pause avec Wade et on va te dire. Mais là, il va falloir faire quelque chose. Là, ça va plus là. Ok. Vas-y, tu me diras. Vas-y, à toute. À toute. Les gars, j'ai 100 000 sur moi, il faut que je vais déposer ça en banque, moi je suis un fou moi. Oh, si je me fais braquer, je suis mort. Faut être fou frère. Allô? Ouais, au dépôt là si tu veux. Ouais, là je dépose mon argent en banque et j'arrive. Vas-y, ça marche, je me mets en route. Attends. Vas-y, à tout. Hop là, oh, 100 000 hein. Et voilà, oh je me sens mieux. Mais mon frère, t'es où? C'est bon, j'ai fini. Bah là, je vais à un petit réunion avec Aiden, là, le copatron, là. Ok. Parce que depuis la fois, je le promets. Et après, bah, on se capte, ok. Tu veux toujours trouver une petite position? Je t'attends là-bas. Ouais, tu peux toujours faire ça, mais. Vas-y. T'as le temps, on va te changer et tout d'abord et tout, tu vois. Vas-y, c'est bon, vas-y. Vas-y, à tout. Vas-y, à tout à l'heure. Les gars, je pense que vous serez d'accord avec moi. Jamais, on touche pas au padre Alvaro. Eh ben, il était temps qu'on ait une petite réunion avec les collègues, là, putain. Enfin, juste Aiden, je pense, hein. Ah bon, heureusement il est là. Ouais, carrément, je suis chez lui, il a pris ma place. C'est lui le patron maintenant. Il est où? Bonjour monsieur. J'aurais juste quelque chose à vous dire qu'en fait, si vous voulez. Ça fait un moment que je vous cherche, que je me présente. Taylor Jones, je suis le patron du tequila là. Et on va dire qu'en tant que barman, on voit beaucoup passer des gens. Il y a beaucoup votre nom qui est ressorti ouais. Pour vous cacher, mais pas en positif. Comme quand vous dites qu'un hypocrite qui fait ça que pour l'argent, que des trucs comme ça, vous voyez. Hein? Moi j'aime pas les gens. Les gens, ils parlent mal de moi. J'ai pas les noms, je peux pas vous dire et je saurais pas les reconnaître parce que ah je ah ouais, c'est grave fois. Là, c'est grave. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça et comme je disais. Mais les gens, ils s'inventent une vie, tu ouais, sais. Ah, voilà. Comme je disais à Eden qui est mon meilleur ami, ouais. J'aime pas qu'on crache dans l'eau des gens. Alors je me devais de vous dire. Merci, c'est gentil. Mais tu peux me tutoyer, hein. Ouais, mais donc il y a des gens qui parlent sur moi et qui. Bon après, voilà, hein, ces derniers temps, bah, je vais pas vous cacher, j'étais pas trop dans mon assiette aussi. Histoire d'amour, hein. Mais là, ça y est, c'est bon, j'ai tourné la page. Là. Vous aussi. J'ai perdu mon temps. Ouais, j'ai tout fait pour cette femme, mais au final, elle a choisi quelqu'un d'autre. Non, mais avec Eden, on devait se parler depuis longtemps, mais à chaque fois, il y a un contre-temps. C'est facilement deux mois, ouais, quand on va une conversation. Mais là, dans le taxi, là, les employés sont comment? Ils sont actifs ou pas? Écoute, il y en a qui sont actifs, il y en a qui le sont pas, et j'ai fait une grosse remise à neuf de l'équipe. Ah, c'est bien ça. J'en ai viré énormément, mais le problème, c'est qu'on revient toujours au même point, en fait. C'est une boucle sans fin. Il y en a qui vont bosser pendant 15 jours, après plus de nouvelles, etc. Donc, trouver une équipe solide, ça devient de plus en plus compliqué. Mais le problème, c'est que les personnes, tu les prends en entretien, tu essaies de faire un truc carré, tu leur consacres du temps, formation, nanani, nanana, et les mecs, ils te la foutent à l'envers à chaque fois. Donc si tu veux, moi ça commence légèrement à me gonfler quoi. Tu vois, putain. Je commence à ah ouais, je commence à virer au rouge. Ok, non mais je comprends Aiden, c'est normal hein. T'as tout donné hein. Ouais, je peux pas t'en vouloir hein. T'as tout après, fait, t'as donné comme, tout corps comme, et armes. Comme j'arrête pas de dire à tout le monde hein, que ça soit Romy, Angel, etc. Ça fait des mois que j'en parle et bah je suis toujours là. T'étais pas heureux, faut pas forcer, tu vois. Moi tu oui, me dis non, après... on trouve une solution ou voilà quoi. En tout cas ça enlève rien ouais, de tout ce que t'as je fait hein. Je me suis trop cassé le cul pour cette boîte pour que je me barre comme ça tu vois. Ah ouais j'imagine. Je pense que tu le sais, il y a d'autres conséquences en ville qui font que, voilà, bah malheureusement, les employés, ils ont pas trop envie de bosser,
on va dire, qui font d'autres occupations, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, j'en ai parlé avec Oliver et c'est réglé maintenant. Toute la partie co-citoyenne, on a revu à la hausse pour motiver les employés. Ça a l'air, puisque écoute, là, dans ce que je vois dans la compta, maintenant, le chiffre, il commence à augmenter un petit peu. Ouais. D'ailleurs, je pense que ton compte, il a peut-être monté un peu beaucoup grâce à moi et puis à certains qui... Moi, j'ai plus touché au compte, hein. J'ai dit, c'est à toi de voir comment tu veux gérer ça. Moi, je te laisse carte blanche. Après, si tu dois réinvestir, même si tu as besoin pour toi, tu te sers. Hein. Parce que tu as bossé, voilà. Ouais, mais je suis pas comme ça. Moi. Non, mais là, moi, je te donne l'autorisation. T'es fou, là. Là, fais-toi plaisir. Hein. Tu me mérites un gros bonus, là, pour tout ce que t'as fait. Tu me préviens, et puis voilà, c'est tout. Mec, tu bosses, il faut que tu évolues. T'as des besoins aussi. Ceux que j'ai recrutés dernièrement, franchement, ils font le taf, là. J'ai recruté une nouvelle recrue la semaine dernière, Tom, qui était présent d'ailleurs à l'heure au Barati. Et franchement, c'est un bosseur. Moi, je vais devoir y aller, là, parce que j'ai un autre rendez-vous. Ouais, ça marche. Je te remercie de m'avoir mis à jour. Dernière chose, monsieur Jake, on m'avait dit que vous n'avez pas de politesse, que vous étiez irrespectueux, etc. Je tiens à dire que tout ça, c'est faux. Bah oui, moi, je suis professionnel. Hein. Ça me fait penser. J'ai eu 2-3 éboires. Alors, je sais pas de qui. Il y a certaines personnes clients, qui se sont fait un petit peu insulter par une personne ici au taxi. Alors, j'en ai viré pas mal. Peut-être potentiellement 100 personnes. Mais ça, oui, j'ai eu ça aussi. Mais voilà, ils sont pleins, moi. Je tiens à transmettre quand même cette information parce que moi, ça m'est remonté. Ça m'a légèrement cassé les. Faut vraiment qu'on retrouve c'est qui parce que là bah écoute plus, hein. Là pour le moment il y a plus trop de soucis, j'entends plus le merci. Ah mais sûrement il a été viré, alors c'est bon. Je pense que ça fait partie des personnes que j'ai virées. Incroyable. Ouais, bien vu. Bah, prenez soin de vous les gars, on se tient au courant. Ouais, pas de soucis. Bon, bon, bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée. Ouais, le mec, ça se voit, il a notre prise IRL lui. Ouais, je vois, il doit m'attendre, miskin. Ne dis pas il m'attend tout ce temps là. Allô. Dis pas que tu m'attends depuis tout à l'heure. Si, mais c'est pas grave. Putain, bah ouais, là je viens de finir la réunion parce que ça fait longtemps que je devais parler. Vas-y, non, j'arrive là. Écoute, juste par contre, vaut mieux qu'on ramène pas Riri. Ah non, ça va être que Jet. C'est pour ça que je t'ai dit, attends, moi je vais appeler Jet avant, je vais lui expliquer que je veux que lui il vient parce que moi je te dis, je fais pas confiance aux autres. On sait pas qui est complice. Raison. Qui est complice avec Antonio. On est pas du tout loin du taxi. Vraiment, tu verras la position. Ah bah vas-y, j'arrive. Vas-y, à tout de suite, vas-y. Ah bah il est juste là. Incroyable. Putain. Putain, ce mec, il a une entreprise IRL, frère. Lui, ah oui, je pense qu'il est vraiment efficace. Là, à fond, lui. Patron, on a mis les points sur les i, là, c'est parfait. Ouais, je vais appeler Jet, je vais lui expliquer qu'il doit venir seul. Ouais. Ouais, t'es disponible, là, toi, là ? Ouais, je suis dispo, là. Tu viens seul, c'est bon ? Ah, seul ? Ouais, parce que ce que je vais te dire, c'est... Vaut mieux pas, voilà. On ne sait jamais, tu vois. Je préfère t'en parler seul avant. Tu verras, par rapport à ce que je te dis, si tu veux en parler aux autres. Mais vas-y, je vais venir tout seul, alors. Ouais, vraiment, c'est... T'es à Caillou, là ? Non, je suis pas à Caillou, je suis auto exotique. Riri, il a dit fait bourreau de qui ? Mais ça y est, lui, il est pas content, là. J'ai même pas dit bonjour à Sophia. Dis-lui, je l'ai laissé, Sophia. Bah, il t'entend, là. Je viens de mettre le haut-parleur. T'inquiète, t'as plus de soucis à te faire. Je t'ai laissé, Sophia. Je ferai plus barrage. Non, on parlait du business, là. Comment te dire que dans la vie, parfois, il y a des choses qu'on veut, mais qu'on ne pourra jamais l'avoir, tu vois. Tu veux peut-être répondre quelque chose, Soso ? Non, bien pris. Vas-y. Fils de pute, il y avait Sophia. Non, arrête. Ouais, allô ? Ouais, désolé, je suis passé sur un tunnel. Y a pas. Non, t'inquiète. Ouais. Vas-y, je vais venir alors. Je vais venir tout seul. Vas-y. Ok. Y'a la Mila qui arrête pas de m'appeler, frère. Attends, enfin. Ah là, force à toi là. Oui, bonjour. Ah, allô. Oui, tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé parce que sur la plage au niveau du bateau, tu m'avais proposé si je recherchais actuellement un travail. Ok. Là, je suis dans une situation où je recherche actuellement un petit travail. Mais ça tombe bien, on cherche des employés au Xanema. Ça tombe bien. On va faire passer ton entente entre entretien d'embauche bientôt, d'accord ? Pierre, rappelle-moi au pire. Oui, avec plaisir, Mila. Bisous. Ouais. Ouais, je raccroche. Elle est bizarre, c'est trop bizarre, wesh elle. Wesh Jet. On rigole, Jet, tu vas péter un plomb. Écoute, si je t'ai demandé de venir seul, c'est pas pour rien. Je ne sais pas qui faire confiance, toi, je sais que je peux te faire confiance. On l'a vu. Avec ouais, tu étais prêt à donner ta vie pour nous, le jeu de l'évasion. Et ouais. Là, malheureusement, ça concerne Caio. Et je sais pas qui faire confiance à Caio, parce que là, c'est concernant Antonio. Antonio ? Ouais. Il m'a appelé tout à l'heure. Il me dit, écoute, tu veux te faire 200 000 $, je te rappelle dans la soirée. Je dis non, laisse-moi tranquille, je m'en bats les couilles, j'ai pas le moral. Après, il dit ferme ta gueule. Allez, fais-moi confiance. Tu veux le pouvoir, tu veux tout ça, tu veux un ennemi. Alors fais-moi confiance. J'ai dit, écoute, viens, on va parler. On va sur le ponton là et on va parler. Et là, il me dit, j'ai une mission pour toi. Tue Alvaro. Quoi ? Il a dit, tu tues Alvaro. Et je dis, mais t'es complètement taré. On a rigolé avec Wed, on a eu un fou rire. Après, il a dit, mais je suis sérieux. Après, il a dit 500 000. Mais je dis, mais j'étais complètement taré. Comment ça, tuer Alvaro ? Il a dit, j'ai envie de reprendre le pouvoir. Je dis, mais attends, mais c'est.
c'est et je te promets, Jet, je te promets, c'est réel ce que je te dis. Okay. Ça a du mal à croire, mais si tu veux, je l'appelle là maintenant et je fais genre que j'ai accepté. Je lui dis, écoute, je peux accepter, mais pour 800 000. Et tu vas voir, je mets au parleur. Vas-y. Juste après que tu l'as appelé, ça dérange pas si je ramène quand même du monde parce que. Non, mais au début, je voulais te parler avant parce que je sais pas, qui faire confiance. Après, oui, on peut mettre au courant. En ce moment, moi, j'ai des trucs qui sont un peu suspects et lui, déjà là, tu vois, comme tout le monde, j'appelle un peu tous les jours. Ça fait une semaine, j'avais pas de nouvelles de lui, mais déjà les derniers jours où il était là, commençait à être chelou, tu vois. Depuis l'évasion, déjà, il commençait à être un peu chelou. Et après l'évasion, il m'a fait des petits trucs qui me mettaient un peu la puce à l'oreille. Donc j'ai un petit doute sur lui. Moi aussi, j'avais des doutes sur lui. Mais tu sais que Alvaro il te paye 1 million pour le buter lui. Non non mais je sais, mais de toute façon ça nous a pas traversé l'esprit avec Wade, on s'est dit jamais. On a évadé le padre, il a tout fait pour nous, jamais, on s'en fout, tu vois. L'argent ok, mais on a notre honneur aussi. Il est sérieux vraiment là. Au début on a dit c'est un test, mais il nous a montré sa sincérité, je te jure. Il a été sincère. On va voir s'il parle. Ça se peut au téléphone, il parle pas. Il est plus là, putain, c'est de plus. En tout cas, t'as ma parole, t'as la parole d'Angel et ouais, tu sais très bien, on va pas te mettre à l'envers. Essaye dans 2 minutes, et souvent on ne capte pas quand il roule. Au début, on a rigolé, après il a dit 500 000. Je reprends le contrôle de Caillou, je te mets bien. Après, je lui dis, mais c'est pas Alvaro qui gère tout, c'est Jet. Il a dit, non, mais je m'en fous, Jet c'est autre chose. Moi, il veut les trucs d'Alvaro en fait, tu vois. Mais tu sais qu'il aurait juste à en discuter avec lui. Hein. Là, Alvaro, il est en train de préparer sa retraite. Là. Pourquoi il veut évader Alvaro si après, au final, il veut le buter, je vois. Je sais pas. Dans un instant, je vous demanderai de venir. Mais pas tout de suite, mais dans un instant je vous demanderai de venir, on va discuter avec vous aussi. Il m'appelle. Allô, la Mucata Antonio, San Marica, Rabudabala. Je m'appelle plus de ton nom de famille. Antonio Fagato. Antonio Fangato. Putain, hé. Hey, Fagato. Toi, à chaque fois, quand t'arrives, je veux me pourrir la vie à chaque fois, toi. Tu mets des bâtons dans les roues. Et tu vois, ça me rend fou parce que d'un côté, bref, ta putain de mission là, 800 000. Tu sais que c'est compliqué, 800 000. Mec, c'est Alvaro, putain, on parle d'Alvaro. 800 000, putain. J'aurais pu faire le bâtard, mettre 1 million. 800 000, je te promets, cette semaine même, t'as sa tête. Ouais. Il te faut combien de temps? Une semaine. Parce que moi, je m'en bats les couilles de lui. Écoute, Jake. C'est pas que je m'en bats les couilles. Écoute, moi, je t'ai laissé 24 heures, mais là, tu m'appelles là au bout de même pas 2 heures et tu me dis ça. Écoute, je suis content, au moins, tu me fais confiance. Oui, c'est bien. Mais 800 000, d'abord, si t'acceptes. Non, 800 000, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, écoute, 800 000, c'est bon, mais ça veut dire. Parce que 24 heures, fils de pute. T'inquiète, demain, je suis là, moi. Là, je te donne la réponse maintenant. Je suis pas là demain non plus. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je te donne la réponse maintenant. 24 heures, qu'est-ce que tu me parles, 24 heures? C'est bon, 24 heures, c'est bon, il est passé, là, la nuit, il est tombé. Ok, 800 000. Mais je veux la moitié maintenant, ou c'est pas possible? Dans la semaine, 800 000, t'auras 400 000 dans la semaine. Ok. Je vais te préparer des armes, tout ça, des tenues. T'es sûr de ton coup, fils de pute, t'es vraiment sûr de ton coup? Écoute, fais-moi confiance. Tu vas me foutre dans la merde. Mais non, regarde, tu vois, tu m'as rappelé. Ça se voit que t'as confiance en moi, et moi, je peux avoir confiance en toi à 100%, n'est-ce pas? Écoute. Moi, tu sais très bien comment je suis quand ça parle d'argent. Y a plus de copains là. Moi, amène mon oseille et je fais la mission. Allez, très bien. 800 000. Et écoute-moi bien, Jake. Si tu me mets à l'envers, je te tue. Également, je te tue aussi. Ciao. Voilà, Jet. Laisse-nous prendre notre argent avant, après, et après, bute-le. Non. Il te le donnera qu'après. Tu comptes vraiment le faire ou pas? Non. Bon. T'as vu que je t'ai pas menti? Doit en parler? Qui est complice avec lui? Ça, on sait pas, mec. Akayo. Soso a pas habité son père. Non, c'est lui. Non, elle, c'est sûr. Rien non plus. Il le fera pas. Emilio, j'ai des doutes. C'est pour ça que je t'ai dit de venir tout seul, comme ça, c'est toi qui sélectionne. Là, faut qu'on le piège, là. Ouais, il va falloir qu'on le piège. Pas aujourd'hui, mais prochaine fois, faut qu'on le piège. Je vais être quand même un petit peu transparent avec eux parce que. Pas leur cacher ça. Non, on va leur dire. On va leur dire cache, mais il faut juste qu'ils fassent attention, pas en parler. Ouais, mais du coup, il va falloir continuer à lui faire croire que vous êtes pour, voir comment il va arranger le truc et quand il vous donne rendez-vous, il faudra que nous, on vienne sur ce rendez-vous en second temps. Vous pouvez venir. Ah ouais, il s'était pas loin. Bah, il voulait pas me laisser venir tout seul au départ. Hein. Je vous laisse expliquer. Quoi, c'est grave ou pas? Parce que je me prépare mentalement. Oui, c'est grave. Ouais. Comment ça? Il est mort. Non. Il y a personne qui est mort. Par contre, c'est grave. Et encore une fois, qui veut buter qui? Grâce à nous, on va toujours avoir un coup d'avance. Quoi? C'est ça? Exactement. Ouais. Oui, effectivement. Comment ça? Vu qu'on t'a expliqué, Jet, je te laisse expliquer ou? Tu veux que j'explique? Ok. Quoi, c'est Alvaro? Non. Ça concerne Alvaro, mais c'est pas Alvaro. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Antonio, il est venu tout à l'heure. Oui, il était là. Ce soir, il est venu. Et il s'est rapproché de Jack et Wade pour leur proposer une somme d'argent. Combien? 200 000 au départ. Ouais, 200 000 au départ. 200 000 pour faire un travail pour lui. Il est monté un peu plus même après, 500 000. Et en gros, il les a missionnés pour buter ton père ce soir. Quoi? Pardon? Oui. On se calme, on l'appelle pas.
Comment ça parle comme non, quoi, mais tu sais quoi, tu sais quoi, le rapport pour qu'on me parle. Écoute, il veut dans récupérer tous les cas, sa place. Très bien qu'on va pas accepter. Mais j'ai dit c'est débile. Il y a un câble ou quoi, putain de merde. On est d'accord, ton père il est putain, en train de préparer sa retraite, il a juste à lui demander et voilà, mais non, il veut le buter. Mon propre tonton va faire ça. Et du coup, je l'ai appelé devant Jed. Il l'a appelé avec moi, je comprends pas là. Il l'a appelé devant moi, il a dit ouais, j'ai réfléchi, pour 800 000 je te le fais. Et il a dit c'est compliqué, il faudra un peu de temps pour ramasser l'argent. Il va prendre ça chez nous. Mais ouais, il a dit vas-y, on fait ça. Ouais, je voulais prouver à Jed que c'était vrai, je l'ai appelé. J'ai dit écoute, j'ai réfléchi, ouais, 800 000, je te ramène la tête d'Alvaro. Vous avez et Jet l'a bien entendu. Mais Jet l'a entendu. Non, je l'ai entendu, ouais, je l'ai entendu. On pète pas de cam. Mais pourquoi il fait ça? Oui, si on vous a prévenu, c'est justement, faut que soyez discret, vraiment, parce que sinon, on va pas vous la mettre à l'envers. Pourquoi il fait ça? Attends, viens, viens. Il est protecteur avec moi depuis le début, je comprends pas pourquoi il fait ça. Je sais pas, faut se méfier de l'eau qui dort. Même entre nous, on va éviter d'en parler pour le moment. C'est bon pour tout le monde? Je veux pas qu'Emilio soit au courant. Je veux pas qu'il soit au courant parce que, bah, vous voyez qu'Emilio là, il. Mais Jed, tu penses vraiment que je vais pouvoir le regarder dans les yeux là comme ça? Je sais pas s'il a pas été approché aussi et s'il y a pas un souci au cas où. Il a menacé Jake et Wade de les tuer si jamais ils en parlaient à quelqu'un. Ouais. Pardon? En tout cas, s'il y a des infos, c'est nous qui sommes morts, les gars. Moi, vous savez. Non, mais ouais, c'est pour ça qu'il sort. Faut vraiment rester indifférent. On va prendre sur nous. Mais vous vous rendez pas compte de la trahison? J'aurais pu ne pas. Je me sens trahi là, putain de merde. Ouais, je comprends. Pareil. Pour l'instant, on verra mais tout attends, à l'heure. Attends, c'est une blague ou quoi? Il m'a appelé ma chérie faut... tout à l'heure. Il m'a dit t'inquiète pas, etc. C'est simplement de la manipulation, c'est tout. Soso, Riri, même les autres, c'est pour ça qu'ils voulaient me voir tout seul parce qu'ils avaient peur de vos réactions derrière. J'ai confiance en vous, donc j'ai pas envie de vous le cacher. Je préfère que vous soyez au courant. Pourquoi tu pars? Soso, reviens, j'ai pas fini. On a besoin de peut-être. Alors, comment on fiche ou on le croise? Tu fais l'indifférent, vraiment, oui, sinon tu l'évites. Tu sens pas capable, tu l'évites. C'est comme si rien n'était. On va jouer. On va le piéger, c'est tout. On n'est pas là que pour l'argent. Vous voyez. Après moi forcément je doute plus de vous les gars. Vous avez été gracié par Alvaro, vous vivez à Caillou, j'ai plus rien à dire par rapport à ça. Je fais confiance moi. Ce qui vous a parlé, moi ce qui me fait peur c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le coup au cas où et on sait pas déjà s'ils sont déjà missionnés. Voilà, vous êtes au courant. Riri, ça va aller toi? T'es quand même celui qui était le plus proche de lui. Hein. Je sais pas, je sais pas quoi penser. Ah t'étais proche d'Antonio? Mon oncle. Il a grandi, ouais voilà, c'est ça. Quoi? Mais attends, mais ça c'est de famille ça. On fait une pierre deux coups, faut buter Riri aussi. Il va nous la mettre à l'envers, c'est de famille ça. Ah non non. On peut pas Riri. Bah écoutez, mais butez-moi alors, c'est bon. Ça va pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Jamais. Enfin, faut jamais dire jamais. Non, par contre, je suis choqué, c'est vraiment ton oncle. Le problème, c'est qu'il avouera pas forcément. Ouais. Tandis qu'au moment où il sera en face de vous, là, il aura pas le champ. Après, en faisant ça, je sais que je mets ma vie en jeu, même Wade. Mais bon, c'est pas grave. Mais clairement. Non, mais je sais que je peux compter sur vous. Vous pensez que vous êtes tout seul ou quoi? On sera là. Ouais, c'est pour ça, je sais qu'on peut compter sur vous. Je suis prêt à me battre pour vous, les gars. Vous êtes de la famille maintenant. Bah, vas-y, les gars. Venu à vous. Vas-y, bonne nuit, Wade. Angelo, si tu peux. Tu peux pas faire une petite partie console avant. Je dors à la plage, à Caillou, une dernière fois. Et demain, je. Passe à la maison, Jack, pour dormir. Comment ça, une dernière fois? Comment ça? Ah oui, je t'avais pas dit. Je vais préparer mes bagages ce soir. Comment je fais les miskins? Ah, parce que je vais vivre. Bah, je vais vivre ici, là, à Los Santos. Ah, je vais dormir ici. Ah, tu retournes sur Los Santos? Bah, après, tu peux vivre ici si tu veux. Je vais investir dans un truc, t'inquiète. Au début, je dors dans ma voiture, mais après, je suis tranquille, je sais rien. Non, mais non, mais vas-y, je te passe la clé d'une maison. Quand t'as fini, tu me dis, puis voilà, je te reprendrai la clé. Non, te dérange pas, t'as déjà fait assez pour moi. Après, t'es toujours le bienvenu à Caillou, hein, si tu veux venir passer un week-end. Oui, non, mais, ça, mais bien sûr, mais bien sûr, mais c'est juste qu'il y a pas. Voilà, vous êtes déjà beaucoup là-bas, je vais pas prendre plus de place. Tu prends pas de place. Hein. Ah si. Je sais pas, frère, je demande à Riri. Je vais faire mes bagages. Bah, là, tu veux retourner sur... Ah oui, t'as la voiture. Ouais, j'ai le 4x4. Comme je m'assois. Voilà, bah je te dérange pas plus. Hein. Mais tu vas pas rester là. Bah si. Mais Non, tu restes là tout seul. Il fait pitié là, putain. Arrête, ouais, putain. Non, moi j'ai pas envie de te laisser comme ça, vas-y. Mais j'ai le droit de... Qu'est-ce que tu vas... Oui, c'est un coup de mou. C'est un coup de mou. Tu vas pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux dire... discuter avec Soso? Ah ouais. Non, 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 on y va. On va Mais non, mais non, c'est bon. Non, mais je veux pas. T'as un problème avec moi ou quoi? Je te parle! Tu es de ma gueule ou quoi? Hey, je la calcule pas! Je la calcule On va à la maison. Hein. T'as un problème avec quoi? Moi ou quoi, Jake? Je la calcule! Oh, je te parle là! Non, bah Sans. Attends, on va prendre le 4x4 alors. Ouais, on va prendre le 4x4. Je vais laisser ma voiture là. Viens, Jake. Apparemment, faut que je règle des comptes encore. J'ai toujours des comptes à régler, moi, tu sais. Allez, ça y est, elle, frère. Vas-y, viens. Hein, quelqu'un m'a parlé là? Oui, quelqu'un t'a parlé, oui, c'est moi. Ouais, tu veux conduire ou. Ouais, ouais bah, j'ai les clés si tu veux, vas-y. Comment je fais le mec froid? Ok, c'est parti. Oh putain! Wow. Pourquoi tu l'as laissé conduire? Je sais pas si c'est une idée. T'es sûr que tu veux conduire? Ouais, là, c'est bon, désolé. Du coup, là, on va à Caillou, c'est ça? Ouais, à Caillou, on va aller sur la plage.
Mais wow. Mais j'ai rien touché hein. Non t'as rien, il a touché. Il a dérapé. Je sais pas comme si. Bref. Mais c'est quoi ton problème avec moi, Jake? Jet, tu sais ce qui se passe ou quoi? T'as pas demandé la même chose qu'avec Rich? Y'a pas demandé d'être distant ou un truc comme ça, non? Si, si. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'était pas la bonne chose. Oh, attention. Il va se défouler. Oh, bordel. Non. C'est bon, il s'en sort très bien. Quel homme. Comment tu oses me couper? Voilà. Il a eu besoin de se défouler un peu. Désolé, parce que il a failli nous tuer ce mec là et je pouvais pas laisser ça passer. Vas-y, conduis, t'inquiète. Vas-y, je vais conduire. Je passe à l'arrière. Ça t'a fait du bien? Ah ouais, de fou. Non mais okay. T'as vu, il a failli nous tuer là. Il traverse la route comme ça, mais pas le clignotant. Ouais, j'ai vu. Bizarre, hein. On a un caillou, mais le ressenti, vraiment. L'ambiance de caillou. Ressenti Pornor, oui, c'est. Ouais. Comment ça, porno? Un pôle nord, putain. Ah, ça va manquer de me réveiller ici. Eh ouais. Il est comme ça, lui. Il s'est fait agresser par un mec sur la route. Non, c'est et pas du coup, il s'habillait comme ça. Ouais, ok. Oui. Vraiment bizarre. Elle critique ma démarche aussi maintenant. Et pourquoi tu marches comme ça, au draguignol, Jake? Mais je suis un guignol. Oh non. Ouais. Hé, arrête de me fuir comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ah putain, je suis moi. Oh non, la honte. Il y a un problème avec moi, Jake, ou quoi? Bah non, madame, pourquoi vous dites ça? Comment ça, madame? Madame Sophia. Oui, monsieur Jake, est-ce qu'il y a un problème avec moi? Bah non, il n'y a pas de problème, je voulais juste pas vous déranger, quoi. Tu me déranges pas, n'importe quoi. Tout va bien de mon côté. Hein. Pourquoi tu me vouvoies? Qu'est-ce que tu... Bah, parce qu'on se connaît, on est potes. Ok, et alors, tu vois tous tes potes? Tu vous vois, ouais, oui. Ok. Bah j'ai le droit de te tutoyer, alors, c'est bon? Mais alors, dis-moi, c'est quoi le vrai fond du problème, là, parce que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de problème, Sophia, tout a été clair, t'inquiète pas. Mais clair, par rapport à quoi? Par rapport à beaucoup de choses, et tu le sais très bien. Non, je sais même pas de quoi tu parles, je comprends pas. Tu le sais, arrête de jouer à la conne. Ok, mais si tu lis, alors, je vois pas, mais c'est pas grave. De toute façon, là, je vais préparer mes bagages, comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu me vois plus. Mais j'ai jamais dit ça, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Peut-être que je voulais plus te voir ou quoi que ce soit. Là, ça se voit, ah oui, ça se voit que t'as envie de me voir. Pourquoi tu dis ça? Comme ça, putain, c'est un ressenti. Parce que je voulais prendre mes distances. Prends tes distances, hein, t'inquiète, hein. Tu facilites la tâche, t'as vu? Ton choix, je le respecte, y'a aucun souci. Oh la connasse. Mais okay. Sache que t'es pas obligé de partir si t'aimes bien cet endroit et tout. Reste, ne pars pas. Non, c'est bon ça. Ça va me faire rappeler des mauvais souvenirs. T'estimes toujours autant, y'a rien qui change. D'accord, y'a pas de soucis. J'ai juste dit, je vais prendre mes distances pour éviter de faire souffrir les gens. Et ben moi, qui prends mes distances comme ça, ben t'as pas besoin de le faire. D'accord. Et on verra ce que l'avenir me réserve. Mais pas grand chose en tout cas. Tout va très bien aller pour toi, t'inquiète pas. J'ai jamais dit que je voulais plus te côtoyer ou quoi que ce soit, hein, arrête. T'as pas besoin de le dire. C'est cramé. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Comment mais c'est t'as pas besoin de le dire, t'as pas besoin de le dire. Mais qu'est-ce que... C'est bon, j'ai t'ai compris. Mais t'as rien compris, hein, j'ai rien dit du tout. C'est mort pour moi de toute façon. Donc moi je veux juste que tu sois heureuse. J'ai pas envie de te faire plus de mal. Je sais que c'est déjà dur pour toi. Donc je me retire et voilà quoi, tout simplement. Ça a été clair avec moi la dernière fois. Tu as tort, mais c'est pas grave. Si t'es persuadé d'avoir raison, je vais pas... Je vais rien dire de plus, t'as l'air sûr de toi. Donc ouais, je suis sûr de moi. Si tu veux faire ta vie à LS, vas-y. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est que si jamais, voilà, t'es bienvenue ici, si tu changes d'avis. Non, vas-y, te dérange pas plus. Ouais, moi non plus. Prends soin de toi. Ouais, je vais essayer, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis pas pris soin de moi-même. Bref. Ah, ton bref, il va me manquer aussi. Mais quoi, Jake, c'est un adieu? Ouais. Mais je veux pas qu'on se dise adieu. Ben, on se verra, mais voilà, je serai plus le même Jack que t'as connu auparavant. Qui t'a harcelé, entre guillemets. Mais tu m'harcelais pas, arrête un peu de dire n'importe quoi. Ça va juste nous faire un grand bien, enfin surtout à toi. Ok, si tu le dis, tu vas me manquer quand même. Tu m'as apporté beaucoup, on croit pas, et j'ai pas envie de te dire adieu. Jamais, j'ai pas envie. Je te considère, je tiens à toi, je te l'ai dit, c'est la vérité, c'est toujours d'actualité. C'est pas parce que j'ai envie de m'éloigner de toi pour ne pas te faire du mal que je tiens pas à toi, Jake. Et je le cache à personne ici, tout le monde le sait. En tous les cas, j'ai pris ma décision. Je la respecte. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, d'avoir fait quelque chose de mal alors que... Ah non, je te... T'inquiète, c'est pas de ta faute. Toi, t'as rien demandé, toi. C'est la vie, c'est l'amour, c'est comme ça, ça se contrôle pas. Hein. Et puis, je te mérite pas, on va pas se le cacher. T'as quand même fait beaucoup pour moi. Pourquoi tu me mérites là-bas, j'ai... Ah, tu me tends une perche, là. Non, mais je veux dire, arrête de dire ça, arrête de te rabaisser, c'est faux. Puis, bref. Je veux dire, t'es pas en dessous de moi, arrête de te rabaisser. Ça m'a quand même fait plaisir de te parler, parce que je vais pas te cacher que, voilà, je te l'avoue,
maintenant. Je me suis réveillé, j'ai pas vu un message de Sophia, voilà, ça m'a... Bah, je savais pas quoi faire, je t'avoue, j'avais pas envie de... Je t'ai pas parce j'ai... que j'ai... Voilà, non, écoute-moi, Jake, écoute-moi. Tu m'as oublié, mais tranquille. Non, écoute, c'est pas ça, c'est juste que par rapport à notre discussion la dernière fois, je savais pas comment agir, j'avais pas envie de... Ok, ok, non, mais t'inquiète, je respecte. Mais c'est pas... C'est pour ça que j'ai pas voulu de m'imposer, je t'ai vu là-bas, aux élections, là, je t'ai regardé et tout, je pense pas que tu m'avais vu. Non, je t'ai pas vu. Je ne crois pas, j'ai pensé à toi, ce qu'on s'était dit, etc. Oui, oui, oui. Et c'est juste que je me suis dit, bon, je... Ok, ok, ok. J'ai dit que je prenais mes distances, je le fais. Vas-y, bonne distance. Tu vas manquer, Jake. Et si t'as besoin de parler, de rigoler, je suis là toujours, ça change pas. Ok, allez, va dormir, t'es fatigué là. Prends soin de toi. Putain, on va se poser ici. Hein. Putain, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Merci à vous les frères d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. La suite risque d'être pimentée par rapport à Antonio. Donc lui, il va être dans la merde. Et peut-être nous aussi, on risque de mourir les gars. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, sur ce, ciao. Dites-moi ce que vous en pensez et lâchez un petit like.